Ah, hey, la petite mère, là. Est-ce que vous venez d'en voir avec ta vache Corilla? Pas à vous, ça? Comment c'est pas à moi? Je viens de payer 40 belles piastres pour cette bête-là. Ça se donne qu'elle est à moi. Elle est bien plus à moi que la chemise blanche que t'avais sur le dos dimanche. Quoi, la chemise blanche que j'avais sur le dos dimanche? T'as pas une chemise bonne nièce, ça? C'était une jaquette en pésé dur que ta femme n'était pas capable de mettre. T'as qu'à voir. Tu t'as vu ça tout seul, quoi? T'es ton film. Puis toujours, est-ce que t'as pris ça, cette vache-là? Je l'ai acheté du vieux juif d'en haut de la côte. Du vieux juif d'en haut de la côte? Ah, que comme ça, t'as voulu avec une vache juive. Ben, t'en as du spunk, toi, laisse-moi te dire ça. V'là que des bons catholiques comme nous autres, tu vas nous faire boire du lait juif, ma soeur? Et pas peur, mon fin-fin, je vais la baptiser, dré à toi. Ouais, je vais venir. Après ça, ainsi, on va avoir du lait à moitié d'eau. Si on se plaint comme de raison, t'auras pour ton dire que c'est l'eau du baptême qui n'a pas eu le temps de sécher. Ben, pas de ton fou. Tiens, regarde la vache qui rit de toi. Ah, puis écoute, t'as pas besoin d'avoir peur pour ton lait. T'as rien qu'à venir dans une couple de semaines, puis tu vas voir comment elle aura changé de poil, la vache du juif. Elle est pas bien grasse, là. Le vieux juif, il donne à manger rien que de la vapeur puis du pissenlit. Il connaît pas ça, lui, comment soigner une vache. Il n'y a pas de ça, tu comprends? Puis elle va s'ennuyer, ce pauvre bête, d'entendre parler rien que le jargon. Alors, justement pas, quand tu es arrivé pour y acheter ta vache, il était justement après la tirer. Ça, c'est bien comme un juif. Il a ôté tout ce qu'il y avait avant de laisser partir. Mais quand tu es arrivé, que j'ai dit « Bonjour, monsieur, viens pour acheter votre vache », la pauvre bête s'est mise à me regarder avec un petit air de satisfaction, tu sais. Elle s'est détournée la tête. Tout d'un coup, quand tu as vu, c'était le vieux juif qui attirait. Elle s'y a pris un coup de patte à chaguer, puis elle a été volée à un arpent de là. Puis elle est venue me châtiller. Le bonhomme, il était sur le dos, lui, puis sacré à moitié juif, à moitié en anglais. Elle, tu vois bien qu'elle est pas mal aussi canadienne que toi, puis moi, ce vache-là, hein? Oui. Ben, en tous les cas, elle m'a donné un petit conseil, moi. Baptise-la pas trop.